Martin pêcheur. Souviens-toi, une grotte Suzy, c'est ça? Martin pêcheur. Une grotte Suzy. Putain, on en a fait des guerres ensemble. Ok, t'as pas changé. Tu veux ton petit câlin, c'est ça? Ok, d'accord. T'as vraiment pas changé. T'as un truc à moi, Martin. Ouais. Désolé, la dernière fois je l'ai pris en souvenir. T'es pas lavé, tu peux le remettre. Merci, Marc. Je te connais quand tu veux arriver dans mon petit bain. Ça serait, c'est sans. Martin pêcheur, Suzy, j'ai une mission pour vous. Vous ne le savez peut-être pas parce que c'était encore top secret, mais l'Amérique va être attaquée. Une bombe atomique. Nous avons besoin de vous. Maintenant. Rendez-vous dans 10 minutes et 13 secondes à l'arrêt du bus Alpha. Non, vous pouvez aller ensemble. Hein. Non, moi j'ai pas les couilles de faire ça. J'ai une certaine notion. Vous aurez plus d'informations au bus Alpha. Oui, on a compris. Bus Alpha. Alpha. Freeze. Se passe, je vous propose de faire un petit flashback sur le briefing de ce personnage. Il y a énormément d'informations dans ce qu'il vient de dire. Action ! Tu t'appelles comment ? Un film de guerre, quoi. Nous retrouvons nos deux protagonistes sur le bus Alpha. 3, 2, 1, action. Attends, je vais l'arrêter. Alors, Woody, c'est toi qui l'as briefé? Alors voilà les gars, moi je suis l'informaticien, donc je fais les conduire le bus, j'envoie les infos, tout ça. Donc on prend le bus, c'est un bus volant, d'accord? On ne le touche pas. La seule qui peut me toucher, c'est elle, mais elle ne veut pas. C'est moi qui dois conduire en fait. D'accord. Alors on monte dans le bus. D'accord, parce qu'on aimerait bien connaître la mission, nous. Ah, c'est ça, pour mettre ici à tous les mêmes. Je vais l'avancer un peu, comme ça, j'appelle. Ok, je lis les informations. C'était l'homme, ça. Le film du camp des gentils étant si difficilement abordable, voyons quel plan machiavélique prépare le méchant. 3, 2, 1, action! J'y comprends pas. Il y a déjà 3 jours que nous avons kidnappé le président. Aucune réaction des États-Unis. Il va vraiment falloir utiliser cette grosse bombe. Moi j'ai toujours travaillé avec Kazakhstan et jamais bonne idée. Travail mal fait, grosse bombe. Pourquoi avoir dessiné tête de mort dessus? Je ne veux pas de cette façon. Ce n'est pas la peine d'avoir une bombe si nous avons un président. D'accord, président. Mais si le chef, c'est moi. C'est un peu moi aussi. On va pas se disputer pendant 3 heures. Alors on dit le chef, c'est moi. Ok. Top-lo. Freeze!
recherche incroyable menée par les services secrets. Les gentils découvrent enfin la base où est retenu le président. 3, 2, 1, action! T'es sûr que t'es là? Ouais! T'es sûr que t'es là? Sûr? C'était écrit sur l'écran. Si l'écran l'a dit, c'est que c'est vrai. Je vais quand même lui tirer une balle dans le pied. Ok. En fait, j'étais juste là pour la bombe, donc... 3, 2, 1...